J'ai débuté l'escrime tout petit en suivant tout simplement un copain à la salle d'armes. Et depuis cette période-là, j'en suis pas parti et je pratique toujours l'escrime, toujours dans mon club de Toulouse avec ma maître d'armes qui me suit depuis le tout début. J'ai eu seulement une petite pause de 2 ans pour préparer mon concours d'entrée à la faculté de médecine, puisque je suis actuellement médecin du sport au CREPS de Toulouse, donc entouré de sportifs. Et j'ai eu un accident en 2009, à l'âge de 22 ans. Et l'escrime m'a beaucoup aidé à ce moment-là pour me reconstruire, puisque j'ai pu reprendre l'escrime dans mon club avec ma maître d'armes. Et j'ai repris aussi rapidement la compétition avec une première sélection en équipe de France au bout d'un an, un an et demi après mon accident. Et j'ai eu la chance de participer aux Jeux paralympiques de Rio en 2016 avec 2 médailles de bronze, une en individuel et une par équipe. Et actuellement, on est en préparation pour les prochains Jeux paralympiques qui auront lieu à Tokyo en 2020. Je m'appelle Maxime Vallée et je vais tout faire pour aller chercher la médaille d'or à Tokyo en 2020.